Salut les riders et bienvenue une fois de plus sur le SX Concept 2016. Nous voilà donc sur le round 6 à Valence, donc un circuit qui n'existe pas. Donc on va faire le tour ensemble. Ah, j'ai mis un petit peu de temps à passer la ligne de départ. Donc ligne de départ, enchaînement. Un virage à gauche. Un très grand enchaînement sur lequel je mets mes cours. Donc à cet enchaînement là qui va offrir beaucoup de possibilités. On peut voir sur la minimap que c'est le plus long du circuit. Virage à gauche, un dragon back, gros triple. Oups là. Série d'oups. Un triple. Donc presque tous les enchaînements là a priori sont en double trajectoire. Série d'oups. Voilà. Double trajectoire. Saut d'arrivée. Et petite section qu'on n'a pas au départ. Voilà. Oups. J'ai voulu mettre gaz pour passer triple. Ouf, ça tombe pas, mais ça a pas dû faire du bien au poignet là quand même. Allez, donc le triple. Virage relevé. La série d'oups. Une fois de plus, hein, je cherche pas à attaquer, c'est vraiment pour découvrir la piste. Ici, je crois avoir vu si on recoupe à gauche. Ouais, on a une trace légèrement usée des oups. Là, on va prendre l'intérieur pour changer. Et ouais, ça, c'est sympa parce que intérieur double, extérieur triple, il y a moyen que ce soit assez, comment dire, assez équivalent. Donc un circuit, je le rappelle, qui a été tracé, imaginé par Diego. On essaie externe, triple. Ouf, alors là, je suis pas tombé, mais c'était vraiment le coup de chance. Donc un circuit que j'ai simplement fait quelques tours pour réaliser le trailer du championnat. Et voilà, rien de plus. Arrivé de nouveau. Ah, c'est pareil, hein, intérieur-extérieur, ça risque d'être assez équivalent. Allez, on va essayer de faire extérieur triple. On freine bien. Triple. Ouah, sympa ça. Je me suis mis un peu des longs, des courts, mais ça montre du gros enchaînement pour la course et pour les chronos. Hein. Et on va retenter un petit peu l'enchaînement qui est au bout là-bas. Ah, j'ai mordu les ballots. Ouais, donc là on voit le quadruple difficile. Je pense pour les meilleurs et puis ceux qui arrivent à faire vraiment des impulsions de malade, ça va passer facilement. Mais pour moi, c'est pas ça. Voilà, bah écoutez, on va se laisser
avec l'environnement. J'espère que ce terrain vous plaira, comme d'habitude. On se donne rendez-vous vendredi pour l'ouverture des qualifications. Ce terrain est déjà disponible pour les membres VIP d'MXSconcept.com et il sera disponible à partir de vendredi 17h30 pour les autres membres. Et même pour ceux qui ne sont pas membres d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la vidéo, à aimer, à partager et à vous inscrire, enfin à vous abonner, je veux dire, à la chaîne pour avoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt sur MXSconcept. Ciao! Yeah.